Les 5 aliments que vous devriez manger quand vous essayez de tomber enceinte. Le sélénium est un minéral qui, à petite dose, peut avoir de bonnes répercussions sur votre santé. Il a déjà été relié à la fécondité. Les chercheurs ont également constaté qu'il peut jouer un rôle important dans la lutte contre le cancer. Selon Marc Moyad, MD, auteur de le manuel du supplément, trop de sélénium, 200 microgrammes par jour, est associé à un risque accru de développer le diabète de type 2, le cancer de la prostate et à une récurrence du cancer de la peau, en plus de n'avoir aucun avantage pour la santé cardiaque. Le sélénium est un merveilleux nutriment pouvant empêcher certaines maladies, mais il peut être nuisible s'il est trop consommé, ajoute-t-il. Une manière de vous assurer que vous ne consommez pas trop de ce puissant oligo-élément est d'obtenir votre sélénium par le biais de la nourriture. Manger de la nourriture contenant du sélénium peut réduire le risque d'avoir un cancer, mais d'après les recherches, prendre du sélénium pour prévenir le cancer n'a montré aucun bénéfice, mentionne Moyard. La plupart des gens sont en mesure d'obtenir l'apport moyen recommandé simplement par le régime alimentaire. Par contre, si ce n'est pas votre cas, vous devriez envisager d'ajouter les aliments suivants à votre régime. Un noix du Brésil. Les noix du Brésil sont de loin la meilleure source de sélénium avec 544 microgrammes, mcg, par once pour une consommation de 6 à 8 noix. 2 poissons. Les poissons et les fruits de mer riches en sélénium sont le thon, 95 mcg par portion de 3 oz, le flétan, 47 mcg par portion, les sardines, 45 mcg, et les crevettes, 40 mcg. 3 psuf et volailles. Tout comme le poisson, la viande est riche en sélénium. Le psuf contient 33 mcg de sélénium et le poulet 22 mcg. Optez pour la viande provenant d'animaux élevés au pâturage organique, car certains produits tels que des antibiotiques peuvent se cacher dans la viande, autant que dans le poisson. 4 fromages cottage. En plus de ces 20 mcg de sélénium, ce produit laitier contient 103 mg de calcium par portion de 4 onces. Assurez-vous toutefois d'acheter un fromage cottage qui ne contient pas de carrageenan. 5 grains. Le riz, l'avoine et même les flocons de maïs contiennent du sélénium. Le riz et l'avoine sont d'ailleurs les meilleures sources de céréales.